Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, je me sens un peu con de faire ça parce que pour moi, on s'est quitté il y a 10 secondes, quoi. Et du coup, bah, ça fait un peu bizarre. Mais on va la refaire. Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Diablo. Épisode 7, si je me trompe pas. Et c'est reparti, on y va au taquet. On envoie du lourd, on envoie de la série sur la chaîne, du GTA, du Diablo. Un choix digne. Et c'est quoi Regardez d'autre que cette je fais? architecture. Ça remonte à avant Peu la guerre du d'Hearthstone. péché. Putain, du dirt aussi. Oh là là! Je vais jamais y arriver. Allez, on explore le temple englouté. Ouah, doucement les cocos. On est là pour vous détruire, vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Ouais, d'accord. C'est du lourd là. On les a tous eus. Ah ouais, quand même. Votre puissance égale celle de nos plus grands champions. De quelle lignée pensez-vous être? C'est pas moi. Vous pénétrez maintenant dans le sein des saints. L'esprit dit vrai. C'était un endroit de bien. Je le sens. Ce noble héros qui s'est frayé un chemin jusqu'ici pour n'y trouver que la mort. Mais non. J'admire votre persévérance. Et qui est cette fille avec vous? C'est la fille d'Adria? Il y a un pouvoir en elle. Mais peu importe. Ta mère ne tardera pas à te rejoindre dans la tombe, ma petite. Le fragment est à moi! Inondez le temple de leur sang! Qu'est-ce qu'elle voulait dire au sujet de ma mère? Est-ce qu'elle serait vivante après tant d'années? L'avenir nous le dira. Et quels sont ces pouvoirs cachés dont elle parlait? Ce combat était trop facile. Elle joue avec nous. Il faut aller retrouver Oncle Descartes tout de suite. Je dois rentrer. Eh ben rentrons! Allez! Voilà le second fragment de l'épée. Magda recherche donc le troisième maintenant. Je me souviens. Une traînée lumineuse. Un village. Des bateaux de pêche. Le seul village de pêcheurs dans la région est Wartham. Tu as raison, Léa. Il doit s'agir de Wartham. Il y a un bac pour s'y rendre depuis Tristram. J'ai du neuf. Ça pourrait vous intéresser. Combien il me reprend ça? Où est-ce que je vois le prix? 328, d'accord. Okay. Oh, c'est pas grand chose pour moi, mon coco, je crois. Ah tiens, il a pas d'amulette. Voilà, tiens, petite amulette. Exactement ce qu'il me fallait. Mais oui, je sais, mon coco. Et ça, c'est relique de Templier. C'est ça? Non, j'ai pas ça. Bon, bref. Ok. Voilà. On répare. Pleure, Tristram, pleure, je te le dis. Ouais. La justice doit être brisée pour que...
renaissent la sagesse. Parlez-moi de cette cabale. Je n'ai aucun souvenir. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Femme, tu crois que je ne t'ai pas vu déshabiller notre peau ? Dis, je réfléchissais et... Hey, y'a personne ici qui apprécie à leur juste valeur les efforts que je fais pour rassembler d'aussi belles marchandises. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Là-dessus ? Et ça, c'est ce que j'ai dans mon coffre. Il arrive à voir ce que j'ai dans mon coffre. Ça va pas, ça. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous allez. Deux violettes et j'ai deux rouges. Bah ouais, carrément. Pourquoi je garde ça? Ah ouais. Mais ça, c'est à deux mains. Moi, ça me plaît pas, moi. Hop, tu prends... Toi, si tu mets à deux mains... Ah non, tu vois, tu... Non, non, ça me plaît pas, moi, je... Et celui-là... Havre rusé. Pourquoi il est bloqué? Niveau nécessaire 22. D'accord. Et moi je suis niveau 20. D'accord. Ok. J'ai des trucs où je peux mettre des gemmes dedans. J'aime. Oh. Ouais, j'ai des trucs. Alors, l'arbre, j'aime. J'aperçois les flammes. On s'en fout. Il faut être un serviteur du mal pour obliger des innocents à souffrir pour une bataille qui ne les concerne pas. Bra. Et comment je connais mon niveau d'artisanat? Ah mais lui il peut pas le faire, d'accord. Ok. Bon allez, on va aller voir ce bonhomme là. Et on va y aller parce que... À Wartam s'il vous plaît. Je veux bien vous emmener, mais soyez sur vos gardes. Il y a de la fumée qui monte du village. Oui allez, envoie-moi là-bas là. Ils sont en train de détruire tout le village. Où est Magda? Des villageois a trouvé une étrange relique dans ses filets. Mais elle ressemble à la garde d'une vieille épée. Mais je sais qu'elle doit être bien plus que cela. Je vous en prie. Ma famille est réfugiée dans la chapelle avec le reste du village. Il faut les aider. Ne partez pas seul devant. Vous allez vous faire tuer. Mais non, t'inquiète. Il est pour rien. Imbécile! Vous ne pourrez pas m'empêcher de m'emparer de l'épée. Ça se présente mal. Mes serviteurs vont réduire la ville en cendres.
Ah ouais. D'accord. Putain, dégage là. Ouais. Vous nous avez sauvés. On vous doit la vie. Ouais, je sais. Je cherche la garde d'une épée qui est tombée du ciel. L'auriez-vous vue ? Mais bien sûr. Nous l'avons trouvée il y a quelques jours. Je regrette de l'avoir apportée ici. Venez, je l'ai confiée à Virgile. Nous serons bien contents d'en être débarrassés. Je dois retourner à Tristram pour voir si oncle Descartes va bien. Elle a disparu. Pendant que tu jouais au héros ici, je me suis emparé de tes amis et des 3 fragments de l'épée. J'aurais dû m'en douter. Je dois vite retourner chez Cain. Ah la enflure, méchante qu'elle est. Alors sur les casques, autres. 20 de dextérité, 20 de force, 20 d'intelligence. Alors vitalité, force. Là c'est dextérité. Non, vitalité. On va mettre dextérité. Voilà. Là, tu croyais que c'était si simple que ça? Ou tu fais appel au savoir des oradrilles pour réparer l'épée, ou ta chère petite Léa meurt dans d'atroces souffrances. Toute cette cruauté, ces massacres, mais que représente l'épée pour vous? Pour moi, rien. Pour mon maître Bélial, absolument tout. Ah, oncle Descartes! Tes colères sont spectaculaires, petite. Vous gagnez cette manche. Mais si je ne peux pas avoir l'épée, alors je prends celui à qui elle appartient. L'épée sera à moi! Oncle Descartes, tu ne peux pas mourir. Il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai une dernière tâche à accomplir. Il faut reformer l'épée. Oh bah, c'était si simple que ça. L'épée est de création divine. Notre étranger est un ange. Lisez mon journal. Il contient la vérité. Oncle Descartes! Eh ouais. Je sais. Si seulement je pouvais contrôler ce pouvoir, j'aurais pu le sauver. Je suis désolé, Léa. Voir quelqu'un perdre un être aussi proche m'est très pénible. Je vais pourchasser Magda. Magda et son maître Bélial. Le journal parle d'un ange tombé des cieux alors que l'ombre s'élève des abîmes. L'étranger est la clé de toute cette histoire. Nous devons lui apporter l'épée pour qu'il puisse se battre à nos côtés. Quand mes pouvoirs ont explosé, j'ai aperçu les pensées de Magda. Elle s'est enfuie vers les hautes terres. On peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartham. Mais je vous préviens, elle vous attendra. Elle ne devra pas m'attendre longtemps. Ce maudit pouvoir, malgré ça, il n'a jamais abandonné. C'était... Autrefois, le temple englouti s'appelait le Sarceum Emporis. C'était le plus sacré des temples des Néphalem. Leurs légendes disent que les anges venaient y dispenser leur sagesse. Eh bah... Dis donc... Allez, allons voir cave de la chapelle de Wartham le Rouge.
Ah non, c'est Rackham le rouge. Allez, on y va. On se casse. C'est une question d'honneur à présent. Il n'y a pas d'hésitation. De toute façon, j'ai l'air. Bonjour, aventurier. Je vends des potions et des teintures de qualité à bas prix. Oh, et pourriez-vous me rendre un service? Il y a un fou là en bas, près de la grotte, qui veut une potion pour donner un goût sucré à son sang. C'est n'importe quoi. Auriez-vous l'amabilité de la lui apporter? D'accord. Traqué à cabale, l'ermite général a apporté la décoction de la chimiste père des cavernes d'Aranea. Les forces qui se dressent contre nous sont bien plus puissantes que nous n'avons jamais pu l'imaginer. Voilà une potion pour vous. C'est parfait. Ma maîtresse va m'accepter maintenant. Son sang et le mien ne feront plus qu'un. D'accord. Ok. Chercher la chambre de la reine d'Aranea. Un lourd parfum de terreur pèse sur l'atmosphère. Voilà qui ne présage rien de bon. Ils arrivent de partout, ces araignées, c'est dégueulasse. Toujours de l'ombre. 33 points de vie par victime. C'est pour toi ça. Voilà qui m'aidera. Il a quoi? C'est arme et bouclier. La lumière se fait plus forte dans vous. Allez.
Bon, bah ça devait pas être par là. Ça, c'est pas grand chose. Merde. Moi je remarche dans la merde. Bon, merde, je me suis trompé de côté. Fait mal. Two shot quoi. Je trouve la chambre. On a pas envie avec. Ok. Pas mort. Pardon. I don't know. Bonne chance pour toi, l'ami. Dis-moi que c'est là. Ah, c'est là. Ah. Maîtresse, m'accepte. Venez sentir sa tendre étreinte. Sois sans crainte. Tu as bien servi. En fait, ok. On va la mettre hein, parce que c'est quand même mieux. Ouais. Alors tout ça c'est loi de la vaillance. Pour renforcer la loi qui augmente fortement la vitesse d'attaque de vos alliés et vous pendant un court instant. Compétence passive, vous récitez. Je vous remercie. Pour renforcer la loi qui réduit encore davantage pendant un court instant. D'accord. Ça, le nouveau prolonge la durée. Cumule d'énergie afin de générer une gigantesque explosion au bout de 3 secondes. Et ça, c'est quoi provoquer tous les ennemis pour... okay. Le mal rôde en bien des endroits. Il s'incarne dans les démons, les bêtes, et même dans le cœur des hommes. C'est parti.
meurs, mais fais pas chier. Faut que je regarde un peu ce qu'il a lui. 43 de vitalité. Non, ça vaut pas le coup. Même pour lui ça vaut pas le coup. Mais tu fais ce que tu veux, ma cocotte. Fais ce que tu veux, on n'est pas avec toi, nous. Voilà, ouvre-nous la porte. Parlez à Karina. C'était effroyable d'être prise là-dedans, comme ça. Je remercie les dieux que vous soyez passés par là. Qu'est-ce que vous faites ici, au juste? Je cherche un homme qui a été enlevé par la cabale. La cabale? Je les ai vus traîner quelqu'un jusqu'au manoir de Léoric. Peut-être que c'était le type que vous recherchez. Mais arriver jusqu'à là ne sera sans doute pas une partie de plaisir. Ouais, je sais, ouais. Je n'en suis pas très fière, mais j'ai dérobé le bâton d'un puissant chaman Khazra. Ça les a mis très en colère, et ils m'ont pourchassé jusque dans ces cavernes. Le bâton est dans mon chariot, dans les hautes terres. Si vous l'apportez à la barricade, ils vous laisseront passer. Peut-être. Ok. Trouvez le bâton. Jadis, ces terres appartenaient à la couronne. C'est pour le bâton. Quand même. Book. On s'en fout, on a dit qu'on faisait pas les... Ah. C'était pas facile, hein. 157. 53 de vitalité. Merci à vous. Ouais, approchez de la barricade des Neizra. Allez, on y va. Il est par là, je suppose. Un million de dégâts, je viens de mettre là. Ça envoie du lourd. C'est juste là. Ça fait 30 minutes pile poil normalement. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout le blablabla. Voilà. Allez, ciao, bonsoir.